Je travaille pour... je suis le contrôleur des poubelles. Oui. Et ce matin, j'ai contrôlé, c'est pas en règle, c'est pas trié. Faut un peu comme chez Difool. Oui, c'est ça. Et je vais coller une amende, c'est nouveau, ça vient de sortir. Faut les pruner. Eh ben, il faut. Eh bien, c'est parti, on va apprendre. Et je vais les pruner bien fort. On va prendre le tri sélectif aux familles. Parce qu'on en parle, là, tiens. Allez, c'est parti, dites-nous si vous triez, vous. Alors, il y en a qui trient pas, merci. Merci. Dans le 69, enfin non, genre, merci. J'ai jamais fait le tri, on paye et encore faut trier. Non, merci. Ah non, moi c'est pas pour ça, moi c'est juste parce que ça casse les couilles. C'est Dams qui nous laisse le message. Moi pareil, Difool, je ne trie pas, ni Cine de Seine-Saint-Denis. Mais faut penser à la planète. Non, mais quoi. C'est même pas penser à la planète, c'est qu'un jour les mecs ils vont foutre des amendes. Donc. Eh ben c'est parti ce matin. Si c'est pas trié. Ouais, mais à la base c'est surtout pour la planète qu'on trie. Ouais, donc, moi je trie, moi c'est pour pas avoir d'amende. Ah, respecter les dauphins. Ah, il y a quelqu'un. Ouais, allô, la femme, allô, oui. La scène, oui, bonjour madame. La femme bonjour, à Jean-Paul. Monsieur. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est la femme à Jean-Paul. Oui. Oui, oui, c'est madame, oui, vous voulez parler à Jean-Paul? Bah écoutez, je ne sais pas, je voudrais parler au responsable des poubelles, s'il vous plaît, parce qu'en fait, je vous explique, monsieur Lapin, c'est l'appareil, je suis le contrôleur au sein des éboueurs, et on a fait un contrôle sur votre poubelle, elle n'est pas triée, madame. Vous pensez une plaisanterie, monsieur? Ah bah non, madame, le vert, c'est pas dans les poubelles jaunes, tout ça, etc. C'est tout mélangé, madame. Ça m'étonne. Ne quittez pas. Moi, je pense que vous êtes un peu des sales. Allô? Elle est contente. C'est la première fois que tu traites une femme de sale et qu'elle est contente. Bonjour, allô, monsieur Jean-Paul. Oui, bonjour, c'est Jean-Paul. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais concernant le tri des poubelles. Car je travaille avec les éboueurs, moi, je contrôle. Et vous faites pas le tri, hein. Ah, ça m'étonnerait, monsieur. Ah bah écoutez, le tri est mal fait. Moi, je vous soupçonne d'être des sales. Et je vais être obligé de vous verbaliser. Parce que les sales, on les punit maintenant. C'est ça. Donc, je vais vous mettre 90 euros d'amende. C'est l'oncle à Jérémy, non? C'est l'oncle à Jérémy. Ah, elle nous a reconnus. Oh, hey, elle est maligne. Oh, mais tu nous as comment t'as fait pour le reconnaître? Une voix spéciale. Une voix spéciale. Ouais. La bande aussi, elle va être spéciale. Comment 90 ça va, euros. Ben, ça va. C'est eux dont je te parlais, tu sais, c'est des sales. C'est les sales. Eh bien, écoute, c'est sympa. Surtout elle. La femme à Jean-Paul. Bon, la femme à Jean-Paul, je vais venir prendre le café, du coup. À ce temps-là, attends, à quelle heure on se lève d'habitude? On va pas le prendre à 10h. On va le prendre à 10h si tu veux. Bon, ça, allez. Ça nous arrange en plus. À 10h, comme ça, par la même occasion, on prendra l'apéro. Et au revoir. Ouais, bah, à tout à l'heure. Et puis, j'arrive avec l'amende. Hein. Oui. À tout à l'heure, bisous. Salut les jeunes. Au revoir. Ciao. Elle est heureuse. Elle va aller voir l'oncle à Jérémy. Elle va faire. Oh, le jour, tu nous as fait rire. Oh, qu'il est con, l'oncle à Jérémy. Il est pas mal. Oh là. Bon, on va passer à Info Mytho, c'est l'heure de gagner Disneyland. Le grand deal dans les conseils pas chers pour toi, Walid. C'est parti? Oui. Petit par la taille. Par la taille. Immense par l'escroquerie. Romano, c'est les conseils pas chers sur Skyrock. Romano, votre service. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les conseils. Les conseils pas chers. T'as vu, c'est mieux quand je chante, hein. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Bon, on va chez qui ce matin? Là, on va chez quelqu'un qui vend un iPhone 6. Waouh. Sous blister, 800 euros. Ça te va un iPhone 6? 64 gigas. Ouais, c'est top. Pour seulement 800 euros. Ouais, mais le but de Romano, c'est de faire baisser le prix ou de l'avoir gratuit. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais pour l'iPhone 6 sous blister. Ouais, tout à fait, oui. Je voulais savoir, il y a moyen de négocier un peu le prix? Ah oui, à 10 euros près, oui, il n'y a pas de problème. Ah, 10 euros, non, mais ça va pas le faire. Mais vous, il vient d'où ce téléphone? Je l'ai acheté, en fait, tout simplement. Donc, ouais, mais pourquoi vous le revendez maintenant? Bah, tout simplement parce que j'ai profité d'une occasion avec mon boulot pour l'acheter et le revendre parce que je savais que c'était recherché, donc aujourd'hui... Moi j'ai l'impression que le machin il est pas clair, il est tombé du camion. C'est du trafic tout ça, hein. Étant donné que je travaille dans la téléphonie mobile, j'aimerais... Et dans la police. Et dans la police, je fais des enquêtes pour eux. Je vais venir vérifier le téléphone. Hey, là on rigole moins. Ah, ils sont pigés, hein. Ah. On rit jaune, dis donc. Eh oui. Bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te passer mon assistant. On va prendre un rendez-vous et je vais regarder le téléphone. S'il est pas homologué, je récupère au trou. Je récupère le téléphone, faut pas au trou. Ah, pas au trou. Non, je récupérerai le téléphone. Ok. Ça marche. Alors, c'est qui? Ben, tu ne quittes pas. Je préfère taire mon identité. Je vais ça pas. Ça marche, pas de soucis.
Je vais te passer mon assistant là qui va prendre rendez-vous là. Troufion, viens voir. Ouais. Karim, Cédric, parle-toi là. Non, je pense que c'est toi. Allez, Bleu Beat. Troufion, Bleu Beat. Non, mais ça va pas mieux. Eh, Bleu Beat, prends le téléphone et tu prends rendez-vous avec le mec. Bien, je vais te le coller dans le jeu. Je vais faire une perquisition là. Bon, merci, l'ami. Ah ben ça y est, tu vas faire accrocher. Ah non, il est là. Ah ben tiens, non, je suis toujours là, je tiens. Allez, prends-le, traîne-couille. Mais parle bien. C'est comme ça qu'on parle dans la gendarmerie. Eh ouais, t'as un surnom affectif. T'as un Bleu Beat. Ouais. À Troufion. Ok, mon petit chauve. Et à traîne-couille. Bon, merci monsieur iPhone. Merci, je viens le récupérer. Hein. Quel bel exemple. Ouais, pas problème. Le mec, je l'ai mis en panique. Ah, mais ça. Ah, bah là, ça s'entend. Ah, il claque des jambes. Si, t'es en panique. T'es en panique, sinon je te coupe de l'antenne. En fait, ce qui est super sympa, c'est que je suis dans les bouchons lyonnais, je savais pas comment passer le temps, bah c'est nickel. Ah, bah voilà. Tu peux également te brancher sur Skyrock si tu veux. Ok, ça marche, pas de problème. Merci. Salut, sur iPhone. Salut. Ciao. 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 Bonne matinée à toi. Ciao. Vas-y, t'en as pas un autre en speed là? Ouais, si tu veux, vas-y. Vraiment pour confirmer, hein. On peut plus s'arrêter. Parce que bon, là, le premier, c'était quasiment déjà dans la poche. C'est trop facile. T'as vu le bel exemple pour dealer un téléphone? iPhone Walid. 5S. Ah ouais, ouais, je vois. Ah, pas, on hein. baisse en gamme. Là, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger, je vais t'appeler pour l'iPhone. Oui. Il est toujours disponible? Toujours. Toujours? Il a combien? 500 euros. 500 euros? Ça le mange, hein. Ah. Et je voulais te proposer, ça te dirait qu'on fasse un gros câlin? Je te fais un gros câlin à tes fesses et tu me le donnes? Allez. Allez. Laisse-toi aller, bébé. Ouais. Ouais. Je te fais. Ouais. Ouais. Je te fais du bien avec mon zizi. Vraiment un gras, toi. Hein? T'as vraiment un gras? Ouais, ah ouais, ça c'est clair. Mais ouais. j'ai envie de toi pour l'iPhone. Il est prêt à tout pour récupérer un iPhone. Allez, ce matin là, t'es dispo là? Ouais. Ouais. Je suis open. J'arrive vite et on fait du zizi. On fait du zizi et après tu me donnes le téléphone. C'est pour un copain à moi, c'est pour un rond de service. Bravo. Bon ben, t'es dans quel coin toi? Moi je suis à Argenteuil. Ah bah nickel, je suis pas loin, je suis dans le 92 moi. Ah ouais, où ça? Je suis à Courbevoie là. Ah. Mais t'es à côté. Ouais, mais bon, je passe mon chou, y a pas de problème. Oh. Je vais passer. Hey, tu me prépare-moi un petit paquet cadeau. Wow. Et je crois qu'on va bien faire de la fesse tous les deux. Ouais, grave. Du zizi dans la fesse. Du zizi dans les fesses. Oh non. Ouais, c'est bon ça. Quel ben voilà. Nickel. Bah quitte pas, j'ai un copain qui t'en prend parce qu'il est très chaud. Il est très excité aussi. Ouais, Cédric, vas-y, tu peux le reprendre. Oh ouais. Là. Je veux dire. Vous avez un vrai grain, les gars. Un vrai. Eh ben, on te souhaite une bonne journée en tout cas. Ok. Salut, journée. Monsieur iPhone. Merci, hein, en tout cas, pour l'iPhone. On a eu Monsieur iPhone 5 et Monsieur iPhone 6. Eh ben voilà. Ça sent pas les deux. Eh, n'empêche, je suis Walid. Ça marche, hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Non mais je pense que l'équipe, celui-là, vous allez le rajouter avec les pervers. Hein. Ah ouais, hein. Ah, il est chaud le mec. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on te donne le numéro du monsieur, puis tu fais du zizi avec. Ouais, ça l'a intéressé, Walid. Comment il a parlé, j'en veux plus. Est... Je reviens au 33-10, s'il faut. Eh ben voilà, on a résolu le problème. Super, Walid. Raccroche pas, on va t'envoyer un cadeau. Ouais, cadeau t'inquiète, toi, Walid. Ouais. Et puis, tiens, un cadeau pour toi avec des places de ciné pour aller voir Cops, le film, et en plus le t-shirt Skyrock ou le t-shirt Gradure, ouais, comme tu veux. Au choix. Je peux passer une dédicace? Allez, vas-y. Et puis dans un instant on va jouer ensemble. Préparez-vous. Le temps d'écouter on joue à quoi? 50 Cent Candy Shop. Ah, on va jouer à quoi? Peut-être un 3 en 1. Allez, un petit 3 en 1 on va faire. Petite dédicace, vas-y Walid. Bah, je passe une dédicace pour mon crew TBGM, Bondex, Tribal, Kanawit, Wissamedo, pour Inaya, Amel et tous les autres que j'ai oubliés. Et surtout pour vous l'équipe. Eh ben c'est gentil. C'est gentil. Super, mais ne changez pas. Eh ben merci Walid, bonne journée à toi. J'ai une dédicace des cousins du Bled. Ouais. On dit que quand ils tapent la Wii. Gaffe. Bah, oui, Karim, ça flash. Allez, cherchez un autre mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes prévenus. Merci Germain, merci Mathieu. Salut les gars. Et attention. Salut, salut, ciao. Bonjour. Salut à vous. Ciao, ciao. Et les conseils pas chers, c'est parti. Allez. Romano Lapince. Romano Lapince. Sa spécialité, tenter d'arnaquer les familles. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers.
c'est les conseils. Les conseils pas chers. Les conseils pas chers. Allez, c'est parti. Chez qui? Là, on va chez Michel. Très bien. Michel, il va donner des sous pour le nouveau radar. Allez, Michel. Juste avant d'en trouver Bob Marley, parce que je vous l'avais promis, Bob, il arrive avec Get Up, Stand Up. Ce qui veut dire lève-toi, lève-toi. C'est vrai, ouais. Merci. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Bien sûr qu'on comprenne le message. C'est mieux en anglais. Lève-toi, lève-toi, lève-toi pour tes droits. Hein? Allez, Michel. Je préfère Bob, hein, quand même. Tu préfères Bob? Ah, bah, pas moi, bonjour. Tu vois, du coup, j'ai beaucoup préféré. C'est parce que j'ai pas mis mes dreads ce matin. Ouais, c'est ça. Pas ce matin. T'as oublié, ouais. Aussi, j'ai oublié mes cheveux ce matin. T'as oublié ta perruque, toi. C'est fou, ça. Allô, Serge? Oui, bonjour, Serge. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince, à l'appareil, je travaille, vous savez, pour les radars sur la route. Oui. Oui, et je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, on va en installer un là sur la petite, sur la commune. Je ne sais pas. Ah, parce qu'il y en a, vous savez, qui passent à pleine vitesse, là, c'est dangereux ça. Oui. À toute berzingue. À toute berzingue, à fond les ballons, hein, le pied sur le champignon, tout ça, pas bon. Oui. Donc on demande aux habitants une petite participation pour payer le nouveau radar. Pour votre, la sécurité n'a pas de prix, vous allez participer bien sûr. Ah, sûrement pas. Ah ben, pourquoi? Ah ben, parce que j'ai jamais entendu parler de ça et... Ah ben écoutez, je peux venir vous présenter le modèle, hein, je l'ai dans mon camion là. Non, ça m'intéresse pas. Si, je vais passer vous voir quand même, si. Allez, oh, Michel. Oh. C'est dingue qu'il veuille pas participer à l'installation de radar. C'est dingue ça. T'aurais dû dire, j'en installe devant chez vous. Ouais, on va installer dans... Ouais, mais bon, vu que je sais pas trop où ils habitent, on m'a pas affilé les plans précis. On l'installe à la sortie de votre garage. Ouais, avec le bol que j'ai, le mec va me dire, j'ai pas de garage. Ah, c'est possible. Bon, allez, tente le coup chez qui? Là, on va chez Marc. Marc, va-t-il participer à l'installation? Oui, bonjour, c'est Marc. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, je travaille en association avec la mairie. Vous savez, on va installer un nouveau radar là sur la commune. Oui. Et oui, un radar automatique. Oui. Pour éviter que les jeunes appuient trop sur le champignon, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Oui. Parce que... Allô, oui, excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient d'avoir un accident là. Oh, c'est horrible. Rien de très grave. Non, a priori non. Bon, dites voir, on demande aux habitants de participer au financement du radar. Vous allez nous donner un coup de main. Voilà, bien entendu. Eh bien, bien entendu. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que le radar, moi, ce que je propose, c'est qu'on l'installe même carrément devant chez vous. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. J'allais vous le proposer, d'ailleurs. Hein. Eh bien, voilà. Ben, ouais. Les grands esprits se rencontrent. En plus, c'est bien, le samedi soir, ça vous fera une petite lumière de temps en temps. Voilà, une petite promenade, c'est bien. C'est vrai. Votre femme aura l'impression d'être prise en photo par des paparazzi. Ouais, c'est ça, ou d'être en discothèque avec un stroboscope. Voilà. Mais écoutez, de commencer la journée par de l'humour, ça me plaît. Ah, ben, vous allez voir, parce que là, j'arrive dans 10 minutes. D'accord. Et sa meilleure blague, c'est qu'il va mettre la main dans votre portefeuille et vous allez voir, il va tout faire disparaître à l'intérieur. T'es la magicien, abracadabra, tout est à moi. Voilà. Bon, ben, j'arrive vite alors. Au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Merci, hein. C'est bien, les Français sont civiques, ils sont gentils. Merci, monsieur. Ah ouais. Ça, c'est même hallucinant qu'il y en ait qui veuille bien, quoi. Eh ben voilà, Romano. Eh ben voilà, finance ton radar. L'affaire est dans le sac, oui. Merci, félicitez-moi. Oui, envoyez-lui des messages, il adore. Et nous, c'est Get Up Stand Up, comme promis, le son de Bob Marley, avant de vous offrir sur Skyrock encore un gros cadeau. On va jouer ensemble dans un instant. Get up, stand up for your rights.